Kylie Jenner n'a rien à envier à Kylie Jenner, Zaya de Hart et autres vedettes d'Instagram. Ce vendredi 5 février, la chanteuse a démontré qu'elle pouvait elle aussi être très sexy grâce à un cliché d'elle où elle semble entièrement nue dans son lit. Comme toutes les jeunes femmes de son âge, Izia Higelin est une adepte des réseaux sociaux. Suivie par plus de 82 000 abonnés sur Instagram, elle y publie des morceaux de sa vie, bien souvent pour rendre hommage à son père, l'auteur, compositeur et interprète Jacques Higelin, décédé le 6 avril 2018 à l'âge de 77 ans. Les raisons de sa mort n'ont pas été communiquées. Alors que les rumeurs affirment qu'il était malade, ses enfants Arthur, Kane et Izia ont toujours refusé de commenter l'information. La jeune femme de 30 ans, devenue chanteuse à son tour, préfère honorer sa mémoire, lui qui lui a tant appris. On avait et on a toujours eu un lien fusionnel. Avoir des parents qui te donnent confiance en toi, c'est la plus belle arme pour affronter la vie, et mon père m'a donné ça très fort. Maintenant qu'il est parti, l'étoile en laquelle il m'a fait en croire, c'est lui, s'émerveillait-elle encore récemment auprès du Parisien. Peu étonnant donc, que sa page Instagram soit fleurie de clichés de son défunt père. Mais en ce vendredi 5 février, la jeune maman a changé d'ambiance en postant une photographie on ne peut plus sexy. Izia Higelin fait frémir la toile cette fois-ci, pas question de deuil ou de souvenirs mélancoliques. Izia Higelin a simplement souhaité célébrer l'arrivée du week-end. Pour ce faire, elle a partagé un cliché d'elle allongée dans son lit, probablement l'activité à laquelle elle va consacrer ses deux prochains jours, elle qui a écrit en légende TGIF. Note de la rédaction, Thank God it's Friday. Dieu merci c'est vendredi, mais les internautes se sont surtout attardés sur un détail très sexy, à savoir que la jeune femme semble nue sous sa couverture. En effet, sur le cliché en question, elle recouvre ses seins nus de son avant-bras, de quoi faire frémir ses abonnés, qui se sont montrés très élogieux à son égard. Fais gaffe, on va crier à poil quand les concerts vont reprendre, l'a toutefois mise en garde un internaute. L'interprète de Back in Town est prévenu. Mot-clé Let's Block ADS. Why?